Thomas Langman, le producteur accusé de harcèlement et menace par sa femme. Photo. Comme révélé en exclusivité par Closer, la journaliste Céline Bousquet a déposé plainte contre son époux pour harcèlement. Fils de Claude Berry, Thomas Langman est l'un des producteurs de cinéma les plus influents en France. Voir cet article en vidéo ce dimanche, Closer vous a révélé en exclusivité la plainte déposée par la journaliste Céline Bousquet contre son mari Thomas Langman. Le producteur de cinéma est accusé d'avoir harcelé son épouse pendant plusieurs mois, après que celle-ci ait quitté le foyer familial en août dernier. Céline Bousquet pointe du doigt un comportement douteux de son mari, il laissait entrer les dealers à notre domicile, indique la mère de famille, et ce, malgré la présence de leur enfant, né il y a 2 ans et demi. Fils de Claude Berry, Thomas Langman est issu d'une grande famille du cinéma. Né en 1971, le cinéaste est le frère de l'acteur Julien Rassam et le neveu des producteurs Jean-Pierre Rassam et Paul Rassam. Père d'un premier enfant né en 2002, Thomas Langman a été marié à une première femme, avec laquelle il a connu bien des déboires judiciaires au moment de leur séparation. En 2008, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour « violence conjugale ». Depuis remarié à la journaliste Céline Bousquet, ils ont ensemble eu un enfant à l'automne 2015, mais sont séparés depuis l'été 2017. De nombreux déboires judiciaires dans sa carrière cinématographique, Thomas Langman a réalisé bon nombre de grands films. Sa première production remonte à 2001, avec Le Boulet, un film porté par Gérard Lanvin et Benoît Poulvorde. Depuis, le CV du producteur de cinéma s'est largement étoffé, Astérix aux Jeux Olympiques, Le Mac, Star 80, et bien évidemment The Artist, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film en 2012 en tant que producteur. Aujourd'hui tourmenté par une vive polémique judiciaire, Thomas Langman a déjà connu bon nombre de soucis avec la justice. En 2005, le producteur a agressé l'agent de Benoît Magimel en raison du désistement au dernier moment du comédien sur un film qu'il produisait. Thomas Langman a été condamné à verser 1 euro de dommages et intérêts à François Samuelson et 2000 euros de frais de justice. 19 commentaires commentés partagés. Cet article partagé sur Facebook sur le même sujet. Les lus l'actualité closermac.fr. Dans votre boîte mail inscription newsletter, vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.